Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la deuxième partie de notre petit lapin. Vous vous rappelez, on avait fait l'effet poil et on avait fait aussi le miroir. Où est-il? Il est là. Alors, et ensuite, oui, on avait fait les bijoux. Donc là, il reste le cadre à faire et ben, je vous avais dit que je voulais le faire dans les teintes de noir et de comme un effet vieux acier, vieux bronze, on va voir. Mais j'ai envie de partir dans des teintes de noir. Donc, je vais utiliser, ce ne sera pas trop compliqué, hein, on va prendre du noir, du gris et du blanc. Et ensuite, on va, ben, je vais faire tout le cadre. Ensuite, je vais venir faire les petits bijoux parce que, ouais, il y a des petites pierres dans le cadre, puis j'ai pas trop d'idées de quelle couleur les mettre, donc je vais commencer par faire tout le cadre, et puis ensuite, je pense que je verrai de quelle couleur je mettrai les petites pierres. Donc, alors je vais vous dire les quatre couleurs que je vais utiliser. Je vais y aller, on va continuer avec les Prismacolor, vu qu'on avait commencé avec ça. Donc, je vais utiliser le noir. Ensuite, le gris chaud, 30%, qui est le 1052. Ensuite, je vais utiliser le 10% gris froid, qui est le 1059. Et bien sûr, le blanc, le 938. Je vais commencer avec mon noir. Et je vais aussi travailler un petit peu avec du stylo gel. Et probablement aussi, comme je vous avais dit, que je voulais mettre du liquide pearl pour faire un petit peu les swirls. Mais ça va être vraiment vers la fin. Donc, on va commencer tout de suite avec le noir et je vais partir comme ici, dans l'extrémité. Et je vais faire tout partout mon noir. Je vais vraiment aller comme où est-ce que je pars, je vais mettre plus foncé, vous voyez, comme ceci. Ça, je m'en préoccupe pas, le petit tour ici comme ça, là, je vais utiliser du stylo gel pour le faire. Ou peut-être mes artistros, on verra. Mais pour l'instant, je m'en préoccupe pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais dégrader tout doucement mon noir pour pouvoir intégrer éventuellement le gris. Donc dans le fond, hein, c'est pas compliqué. Je vais simplement aller foncer ici tout le tour. Et ensuite, je vais dégrader tout doucement en remontant à certains endroits, d'autres endroits où est-ce que je vais mettre du gris. Donc, je vous laisse regarder où est-ce que je vais appliquer le noir parce que je vois pas trop ce que je pourrais rajouter. À part que je vais vraiment faire foncer comme ici, comme ça et comme ici, comme ça. Hey boy, une chance que je vais mettre de la musique parce que là ça part assez mal à la vidéo quand j'ai commencé à dire des choses qui n'existent pas. Ou des phrases qui ne sont pas structurées. Pour ce qui est aussi des petits, vous voyez les petits ronds, ça non plus je m'en préoccupe pas. Parce que je vais probablement mettre soit du stickle ou du stylo gel ou peut-être du kit pearl. Mais je ne suis pas encore certaine de ce que je vais faire. Donc, je m'en préoccupe pas, je sais que ce ne sera pas du crayon. Donc, ouais, voilà, je vais vous laisser regarder ce que je fais. Et puis, je vous reviens pour la prochaine couleur. Là, je sais, hein, je change souvent d'idée. Mais je vous avais dit que j'allais faire tout le cadre en noir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu comme on ferait un cheveu. Je vais partir mes deux extrémités, comme ici et ici, sur l'autre côté, même chose. Et je vais revenir dans le centre ici pour faire plus pâle. Donc, dans le fond, foncer ici, foncer là, pâle ici. Même chose de l'autre côté pour avoir un effet qu'on a une petite reluisance dessus. Donc, c'est un petit peu plus comme ça que je vais faire.
Ensuite, un coup, j'ai terminé avec mon noir. Maintenant, je vais passer avec mon gris et je vais aller avec le 30% gris chaud qui est le 1052. Et je vais tout simplement dégrader avec celui-là et on va venir intégrer ensuite d'autres gris et le blanc. Donc, je vais partir directement dans mon noir. Je vais appuyer un petit peu quand même et ensuite je vais relâcher pour laisser de la place pour venir mettre mon autre gris. Donc, vous voyez, j'appuie, je relâche. Comme ici, je sais que je vais venir mettre l'autre gris. Donc, je vais relâcher la pression pour pouvoir bien l'intégrer à celui-là. Donc, je vais faire ça partout où est-ce que j'ai mis mon noir, à part ici dans le cadre où est-ce que je vais tout simplement dégrader. Je vais dégrader avec le noir et je me garde un petit bout pâle. Et c'est là qu'il y aura mon autre gris et mon blanc. Donc, encore une fois, ben, je vous laisse en musique. Ensuite, un coup que j'ai terminé avec le 1052, je vais aller avec le 1059 qui est le gris froid.
Et je vais me repasser un petit peu aux endroits où est-ce que je n'ai pas mis de gris. Mais je vais quand même me garder un petit peu de place où est-ce que je vais laisser, vous voyez, des petits bouts comme ça parce que je vais venir travailler avec du blanc quand même un petit peu. Donc, ben dans le fond, je vais compléter hein, les endroits où est-ce que je vois que je n'ai pas appliqué de gris avec celui-là. Et ben, vous voyez que je ne vais pas partout. Ça, c'est les endroits où est-ce que je sais que il va avoir du blanc. Maintenant, je vais terminer avec le blanc et ensuite je vais venir travailler avec mon artistro noir et je vais contourner tout mon corps.
Bon, alors j'ai terminé avec le blanc. Maintenant, ce que je vais faire, bien, comme je vous ai dit, hein, je vais contourner tout mon cadre avec mon artiste trop noir. Et ensuite, je viendrai faire quelques petits détails avec du stylo gel. Et on va faire les pierres précieuses. Et ensuite, on va venir travailler avec le liquid pearl. Donc, je vais vous montrer une petite partie avec le artiste trop, hein. Mais je pense que j'ai pas besoin de vous montrer tout. Parce que je pense que ça pourrait peut-être être un petit peu long pour vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la magie au montage. Alors, je vous montre une petite partie et ensuite, je vous reviens.
Bon, j'ai terminé de tout contourner en noir. Ça a été extrêmement long et plate. Alors maintenant, on va faire les petites pierres. Je crois que je vais les faire probablement Je vais faire comme des pierres ambre. J'en avais déjà fait à un moment donné avec vous. Je me rappelle plus dans quelle vidéo, mais je me rappelle que j'avais déjà fait ça, puis j'avais quand même bien aimé l'effet, donc je vais y aller avec ça. Pour quand même pas trop. Je veux pas non plus qu'on voit juste les pierres. Si, mettons, je viens mettre une autre couleur, mettons, je voudrais les mettre, je sais pas, moi, bleu. Je pense que ça va jurer un petit peu dans le décor, donc je vais rester dans les mêmes teintes. Alors, je vais commencer par le 945, qui est le terre de sienne. Et je vais dégrader. Dans le fond, je vais faire plus foncé ici et je vais m'en aller plus pâle par là. Puis je vais me faire comme un genre de demi-cercle. Donc, ce que je fais, c'est que ici, je vais appuyer un petit peu et je relâche quand je reviens dans l'intérieur de ma pierre. Donc, vous voyez que j'en mets ici. Et quand je dis un demi-cercle, c'est que, vous voyez, je me garde, je fais comme une lune, dans le fond, une demi-lune. Et puis, c'est ensuite, ben, je vais venir intégrer les couleurs tout doucement jusqu'à devenir plus pâle vers le bout. Ensuite, je vais y aller avec le orange minéral, qui est le 1033. Je vais entrer dans ma couleur précédente et je vais faire la même chose. Je me garde un demi-cercle et je dégrade avec celui-là. Et je vais faire un petit rebord ici. Ensuite, je vais utiliser un orange un petit peu plus flash pour que ça ressorte un petit peu. Je vais utiliser le jaunâtre qui est le 1002. Je vais entrer encore une fois dedans. Et je dégrade, mais je me garde toujours un petit bout très très pâle où est-ce que je vais mettre du blanc. Donc là, je mélange avec les couleurs précédentes. Je prends mon blanc pour terminer. Et je vais faire ici le petit endroit où est-ce que j'ai pratiquement pas mis de couleur. Et je vais en mettre un petit peu comme ça pour bien bien fondre tout ensemble. Ensuite, je vais foncer un petit peu sur le rebord de la pierre parce que je trouve que c'est pas assez foncé. Donc, je vais y aller avec le brun ombre foncé qui est le 947. Et je vais juste un petit peu, sans trop appuyer, venir foncer sur le rebord ici et dégrader tout doucement. J'aurais pu y aller avec du noir aussi, mais je ne sais pas l'effet que j'ai envie d'avoir. Donc là, je vais reprendre mon 1033 et je vais redégrader un petit peu. Mais vous voyez que je reste dans ce coin-là. Hein? Je ne m'en vais pas par là parce que je veux vraiment que cette partie-ci reste pâle. Ensuite, je reviens avec mon 1002 et je vais repasser un petit peu dessus. Et pour terminer, je vais prendre mon Uniball blanc. Je vais juste frotter un petit peu pour enlever mes marques. J'aurais pu prendre mon pinceau, mais ça, c'est une vieille habitude qu'il faut que je perde. Dans le fond, je vais contourner tout l'intérieur de ma pierre. Comme ceci. Ce qui va la faire bien ressortir. Je vais la contourner en blanc.
Ensuite, ben, je vais me faire un petit éclat sur la fleur. Dans le fond, je me sers de celui qui est déjà existant. Et voilà. Là, je trouve que j'ai monté un petit peu trop haut, là. Je sais pas, je pensais faire un bel effet, mais non. Tant que le stylo gel n'est pas sèche, hein, je peux venir l'enlever. Même s'il est sèche, on peut le gratter. Donc, je vais juste le ramener à sa place. Ok. Voilà, comme ça. Et je vais faire la même chose pour les autres. Mais cette fois-ci, au lieu de venir foncer par la suite, je vais commencer tout de suite avec le brun ombre foncé qui est le 947. Et je vais tout simplement faire le rebord. Je procède un petit peu de la même façon. Je fais une demi-lune. J'aurais pu faire tout le tour du cercle et venir garder seulement le centre pâle. Mais là, je sais pas, j'ai envie de les faire comme ça. Ensuite, je vais y aller avec le 945. Je vais le dégrader avec celui-là. Je vais ajouter le 1033. Et ensuite, je vais prendre le 1002. Et là, j'entre dans toutes mes couleurs. Je dégrade tout doucement. J'essaie le plus possible de me garder un peu de blanc. Et avec mon blanc, je viens terminer la pierre. Ça me suffit. Et encore une fois, ben, je vais la contourner de blanc. Alors, je vais faire la même chose pour cette petite pierre-là, celle-là ici, et pour ce qui est de ceux qui sont dans le bas ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement utiliser le 945. Je ne prendrai pas le foncé parce que c'est tellement petit que j'aurai plus de place pour mettre les autres couleurs. Et je vais y aller tout de suite avec le 1002. Je vais le dégrader comme ceci. Et je me garde un petit peu vers le haut du blanc. Et je vais contourner celui-là aussi en blanc. Donc voilà. Et pour ce qui est du reste des petits bijoux, je vais peut-être faire un petit point blanc comme ça. Et pour le bas, je vais probablement utiliser du sécule ou du stylo gel. Donc, je vous laisse regarder parce que je vais faire la même chose pour toutes les pierres.
ensuite avec mon uniball blanc, j'ai terminé avec les pierres. Je vais faire ici le, vous voyez, le petit rebord qu'on avait ignoré et aussi les petits points. Oh non, je pense que je ne ferai pas, mais je vais faire quand même. les petits points, je vais les faire au stécule, mais est-ce que ici, là, le genre de petit tour, le genre de banderole, je vais la faire en blanc. Je vais juste resserrer les crayons. Donc, avec mon Uniball blanc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tous les petits, le genre de petites banderoles ici, là. Je vais la faire en blanc. Ensuite, un coup que j'ai terminé avec mon blanc, je vais utiliser du stickle doré et je vais venir faire les petits points que je n'avais pas fait. Vous voyez, je vais faire comme ça. Je sais que vous ne voyez pas bien parce que là, mon stickle doré est presque vide. Donc, il faut vraiment que je pèse beaucoup dessus pour faire sortir le produit. Donc, j'ai besoin de mes deux mains, sinon j'y arrive pas. Donc, je vais faire dans le fond tous les petits ronds qu'il y avait sur le cadre. Vous voyez que vous voyez quand même. Vous voyez, j'arrive pas à la faire sortir. Alors là, ensuite, pour ce qui est des petits ronds là, qui sont là, que je ne sais pas trop quoi faire avec, je vais tout simplement
venir mettre du artistrot doré. Donc, que je vais faire, ben, c'est que je vais tout simplement faire les cercles de cette couleur-là. Parce que j'ai pas trop d'idées. J'hésitais entre les mettre noir ou les mettre or, mais là, on va aller quand même se chercher un petit peu de doré, hein, parce que le fond est quand même doré. Je ne veux pas partir non plus tout noir, même si c'est pas mal ça que j'ai fait, là, mais je vais aller me chercher des petites teintes dorées. Je pense que ça va bien faire ressortir le tout. Donc là, je vais faire tout le tour du petit miroir. Et ensuite, je crois bien qu'on va pouvoir venir travailler avec le Liquid Pearl. Et ça, je pense que ça va être une étape super le fun à faire. Bon, alors j'ai fait tous les petits trucs, je sais pas pourquoi c'est là, moi j'aurais mis seulement le petit tour genre dentelle blanche, là, mais bon, c'est pas moi qui a dessiné le dessin, hein. Bon, là, je vais y aller avec du Liquid Pearl parce qu'il y a comme des genres de petits triangles, puis j'aime pas les triangles, donc je vais faire seulement des petites perles comme ça, comme s'il y aurait, je vais cacher les triangles avec ça. Je vais me faire des petites perles. Avec mon liquide perle bien blanc, ça. Puis en plus, ça vient rechercher un petit peu ce qu'on avait mis dans ton collier. Donc je trouve que ça fait beau comme ça. Je suis désolée, j'arrête pas de tourner mon livre tout le temps parce que sinon c'est sûr je vais tout accrocher.
Étant donné que j'attends pas qu'il n'y ait rien qui sèche. C'est pour ça que je tourne le livre, parce que sinon c'est sûr que je vais accrocher quelque chose. Bon, fini le cadre. Ben, il finit pas fini, là. On a des petits effets à faire avec le liquide perle argenté, mais ça, j'avais hâte de le faire. Mais là, je me demande, est-ce que je mets le liquide perle argenté ou j'y vais plutôt avec du bronze? Je pense que ça pourrait être beau si j'irais avec du bronze. Ouais, je pense que je vais y aller avec l'argent. Première idée, toujours la meilleure. Donc, là, ce que je vais faire avec celui-là, c'est que je vais juste refaire un petit peu les swirls. Je vais faire ça comme ça. Et je m'accote et puis en plus, après, je viens comme frotter. Je m'accote, je me laisse une goutte et je l'étends comme ça. Donc, je vais en mettre un petit peu partout. Où est-ce que je le sens? Donc voilà, hein, je pense qu'on a terminé. Peut-être que je pourrais mettre un petit peu de glossy accent sur les petites pierres. Je pense que ça pourrait être intéressant. En plus, ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé. Donc je pense que je vais le faire, hein, tant qu'à faire. Et ça, le glossy accent, ça fait quand même un petit bout que je vous en avais parlé. Là, je pense qu'il est bouché. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. Vous en avez plusieurs sortes, hein. Il y en a qui fait comme un effet craquelé, un autre qui va faire comme un effet glossy, tandis que celui-là, il va faire comme un petit peu de relief, puis il va faire vraiment clair quand il va être sèche. Dans le fond, celui-là, c'est le Glossy Accent Clear Dimensional Medium, et c'est ça, je pense que c'est le clear, là. Il n'y a pas rien d'autre d'écrit dessus. Je vais faire toutes les pierres. Et là, hein, ne vous inquiétez pas quand vous mettez le Glossy Accent, avant qu'il sèche, il est comme tout. Vous avez l'impression que vous ne verrez plus vos couleurs parce que ça fait comme un genre de. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais vous voyez qu'on ne voit pas bien ma couleur, mais quand ça sèche, ça devient complètement transparent. Ça fait comme un genre de brume. Pas une brume, mais. C'est comme pas transparent tant qu'il n'est pas sèche.
Et puis ça, bien, ça dépend de la quantité que vous allez mettre, comment que ça va prendre de temps à sécher. Et moi, comme je suis un petit peu généreuse sur le glossy accent, j'en ai toujours pour au moins 3-4 heures avant que ça soit sèche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement laisser mon livre ouvert en fermant bien ma porte parce que si mes chats sautent là-dessus, c'est terminé. Donc, voilà. Alors, ben, je pense qu'on a terminé, hein. Moi, je vais laisser sécher tout ça. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisque c'est vous qui l'avez. Ben, la majorité des gens voulaient voir le numéro 3. Donc, j'espère que ça pourra vous aider avec votre effet poêle, l'effet acier. On a fait aussi le fond ensemble. Donc, voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.